Ok, c'est reparti. Alors, on va voir un petit coup sur la carte. Ah oui, il faut que j'aille voir monsieur pour avoir le crochet. Je me rappelle maintenant. Il faut que j'affiche ça. Ok, il est là. Comment est-ce que je fais pour le rejoindre le plus rapidement possible? Ma foi. Descendre en tyrolienne, ça serait pas une mauvaise idée direct. Allez. Ça de la descente, ma poupoule. Ensuite, hein. Ouais, si, c'est bien. Entendu du loulou. Non, ça c'est du lapin. Il y a un petit arbre en face. Et je suis toujours à plein. Ah, oh, punaise. Remonte s'il te plaît. Merci. Ok, on est sur le bon chemin, tout va bien. Mais le tout petit machin, non, il se barre. Il est où? Où qu'il est? Vous avez terminé? Les Ah émetteurs bah sont détruits? Les antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça. Et j'ai le crochet. Yes. Y a rien d'autre plus à me filer. Ouais, je revérifie quand même, vu qu'il y a un feu de camp. Insiste pour que Ici. j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tout ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là, mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Gagner des bonus d'XP en enchaînant les tirs à la tête, les éliminations furtives. Ah, c'est pas mal ça, parce que moi j'aime bien les éliminations furtives. Ah, augmenter la quantité de ressources de fabrication naturelle que vous récupérez. Ouais. Ma foi, non, je vais booster l'XP. Allez! Ça m'intéresse pas mal, ça. Bueno. J'avais pas vu qu'on pouvait zoomer. Ah, je suis vire. Eh ouais.
Il bouge vite le petit écureuil, hein. Il bouge vite, il bouge vite, il bouge vite. Ah, du coup, il est qui est plan le machin. Bon, c'est pas. C'est un piaf. Non, je suis à donf. Alors, du coup, je sais plus ce que je dois faire, moi, maintenant. Ouais, j'avoue qu'il y a des caches de monnaie. On va aller voir ça. Ho ho ho! Ça qui est bien, que même pendant qu'on est en train de courir, on peut activer le truc. C'est super agréable. Ça a l'air de rien comme ça, mais punaise. Yes. Et clac. Alors, voyons voir la carte. J'ai vu une autre cage de fric. Hop, 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 hop. Il y a un cerf, merde. C'est qui que tu te caches, ma belle? Je te vois. Oui, je l'ai eu. Deux petites peaux en plus. Alors, c'est pas ici que ça se passe. C'est en haut de la baraque. Je suis déjà allé ici en plus. J'ai raté un truc apparemment. J'ai bien cru que j'allais me vautrer. Hop là. Ah ouais, non, c'est pas dans la baraque. C'est moi qui ai affabulé. Et on se laisse lâcher. Voilà, 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 voilà. Et oui, c'est quoi à côté, hein? Mais bon, avec Lara, même si c'est pas à côté, voilà. C'est du tout speed quand même. Raté. Je passe. Cool. Allez, 7 boules de plus. Très bien. Et ça, c'était quoi alors? Une grotte. Je sais plus où est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est indiqué. Alors, il y a une fresque là. Je vais aller voir la grotte quand même. Il suffit juste de grimper là. Je peux sauter tranquille. Enfin tranquille. Il m'est comprend. Oups là. Barré, ils étaient que deux.
Donc la grotte est là et puis donc il est rentré dedans. Non, c'est pas un truc à dépecer ça. Tant pis. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose avec un crochet dans le coin? Explorer 3 sur 5 grottes. Des champis déjà. Alors là, oui, d'accord. Et je me demande s'il n'y a pas un truc à crocheter. Hop là, le flingue. Ah, une bouffe. Putain, je suis mauvais, Aïe, Oh, j'ai réussi à me défendre. Ah, j'ai été méga mauvais. Et c'est pas grave, ça passe. Ça passe, les copains. Wouh! Je savais bien qu'il y avait un loup, mais je savais pas qu'il y en avait deux. Ah, je suis plein, pardon. I am full. Il serait temps que j'agrandisse un peu ma sacoche, moi. Tout ça, c'est des trucs à faire flamber. Il y a que du flambage dans le coin. Mais j'ai rien pour faire flamber. Ouais, le flambage, on verra ça plus tard. Et oui, encore. Il y a vraiment que chi dans le coin. Hop, pardon. Il fallait trois coups. Ouais, bon bah on va ressortir. Hein. Il n'y a rien dans cette grotte. Ça me semble clair. Ok. On s'arrache. Oh, pleine tête. Putain, c'est pas vrai. Il est où? J'ai rien pané. Mais alors rien, que dalle. Bon. Bah écoute, hein, on va pas chercher. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre ou pas? Il y a plein de bordel ici. On va aller au feu de camp. C'est tout là-haut. J'y suis déjà allé, mais par où j'y suis allé? Ça, c'est la grande question. On va se balader par là, puis à mon avis, on va bien trouver le passage. Tout est tout là-haut. Et moi, j'y étais allé par où? Oh putain.
zoom avant. Parce que là, ouais, il y a des petites flèches. Là, ça veut dire qu'il y a de la tyrolienne. Je pense. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse le tour pour grimper là-haut. Je sais pas. Oh. Bon, écoute, on va pas réfléchir. On va essayer d'aller par là. Et de faire le tour. Il va pas se calmer tout de suite. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, maintenant je me rappelle d'un truc comme ça. Allez, on va grimper. J'ai entendu des loups encore, on va se méfier. Allez, vas-y, ma belle. C'est tout là-haut, j'ai l'air de prendre le bon chemin. Oh, 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 oh. Ok, ça gère. Hop, 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 une petite caisse là. La branche, s'il te plaît. Merci. Un vieux camp de travail soviétique. Les Trinitaires en ont pris le contrôle. Ça veut dire qu'il faut que je me méfie. Non, j'ai bousillé tout le monde là-dedans, quoi. Ouais. C'est marrant, ça, qu'elle me fasse cette phrase-là, alors que j'ai buté déjà tout le monde. Il y a quelqu'un là-dedans, là. Ah oui, mais non, mais c'est la petite cache pour... Ouais, autant pour moi. Alors. Donc ouais. C'est où le passage, c'est là-haut? Pourquoi je peux pas monter? T'es mignonne. Je traverse la baraque. Ah, te revoilà. Si t'as encore de l'or pour moi. Ouais, non, mais pour plus tard, pour plus tard. Je crois pas qu'il me s'est repéré, mais essaie d'être discrète, ok? Bon lieu de passage là, c'est ça? Ok. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors. Oups là, pleine face. Aïe aïe ouïe. Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Anna, qu'est-ce que... Bah oui, qu'est-ce que tu fous là, tu m'étonnes. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. Tout est de ma faute. Mais... qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles!
C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Ah, zut alors, Constantin, c'est pas cool. Ne la touchez pas! Pitié! Non! Parlez! Non! Non, c'est enfoiré! Où se trouve la source divine? Arrêtez! Faites pas ça, je sais pas où elle se trouve! Ça suffit comme ça. Elle ne sait rien. Allez, connivence, la saleté! Ah bah vas-y, bonjour la famille. Quoi? Toi? Non! Tu es avec eux? Comment c'est possible? Espèce... Espèce de... Je ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom? C'est un va te faire maître. Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact? L'exhiber aux yeux du monde? Redorer le blason de la famille? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. C'est pas terminé. Enfoiré! T'as raison, là. Monte l'écrou. Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune? Vous fatiguez pas. Je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux? C'est une secte.
ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Écoutez, sur ce coup-là, je crois que je vais faire une petite pause vidéo. Oui, je vous dis à tout de suite, mes coucous.